sur le Gabon à présent. Emmanuel Issoze Ngondé a été reconduit hier comme Premier ministre. C'est ce qu'annonce un communiqué de la présidence. Le communiqué précise effectivement que le président gabonais a chargé le Premier ministre de former un nouveau gouvernement. C'est un pas vers la résolution de la crise institutionnelle que traverse le pays depuis plusieurs mois. Les précisions de notre correspondant à Libreville. Oui, l'attente commençait à être longue, très longue même, sur la désignation du nouveau Premier ministre gabonais. Ben voilà, 72 heures après, les recommandations de la Cour constitutionnelle relatives aux différents rendez-vous manqués de la tenue des élections législatives dans les délais. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reconduit Emmanuel Issoze Ngondé au poste, dans une décision qui fait l'objet de plusieurs commentaires selon que l'on soit pour ou contre son retour à la primature. Mais voilà, Ali Bongo Ondimba a tranché et c'est la troisième fois que l'homme bénéficie de sa confiance depuis le début de ce septennat. Dans l'urgence, Emmanuel Issoze Ngondé devra donc composer une nouvelle équipe que beaucoup souhaitent restreindre devant les difficultés économiques du pays. Cette équipe aura pour mission de relever le pari de l'organisation des législatives tant attendues par tous les Gabonais. Le cabinet qui sera placé sous l'autorité directe du chef de l'État sera connu, selon certaines indications, d'ici à demain au plus tard.